Dans moins de 3 minutes, sous les ordres, il volte. Et à l'extérieur, Kaliflandia, un peu isolé, le numéro 5 par Benjamin Rochard. Il part bien tout à l'extérieur, Kaliflandia, l'une des favorites, Kirill Devo s'est bien élancé, tout comme la favorite Kelly de Banville, qui part assez correctement. Dedans, on est parti fort avec Kaya Dream, le numéro 4, qui est rapidement le groupe de tête, faute de Kasba Perrine, le numéro 2, qui est rétrograde. Kaliflandia qui va prendre les choses en main et aborde le premier tournant en tête. Il est suivi par Kaya Dream, le numéro 4, la cadence du Corta qui est à la corde. Kit Kat, Kelly de Banville venant plus loin, Kirill Devo en dernière position. Et c'est Kaliflandia donc qui, pour son retour en piste, est bien tête et corde pour bientôt passer devant les tribunes. En deuxième position, le 4 Kaya Dream. Troisième place pour le numéro 1, Cadence du Corta. La quatrième pour la Kazakh jaune de Kelly de Banville. Avec ensuite Kit Kat qui trotte en cinquième position devant Cantabella ou encore Capola de Lépine en avant-dernière position. Autre Kazakh rouge à l'arrière, celle de Kirill Devo, la gagnante du président de la République, qui donc trotte à l'arrière. Kaliflandia à sa main qui, pour l'instant, a l'avantage. Kaya Dream qui est deuxième. Cadence du Corta, Kelly de Banville, Kit Kat qui compose donc en file indienne cette première partie du peloton. Et Kirill Devo est pour l'instant dernière, mais son jockey Guillaume Lenain décide de se décaler pour certainement tenter de progresser. Et pour l'instant, le rythme n'est pas non plus hyper soutenu, c'est assez régulier, mais ça ne va pas non plus super vite. On est toujours aux avant-postes avec Kaliflandia devant Kaya Dream, devant également Cadence du Corta, quatrième place pour Kelly de Banville, devant ensuite Kit Kat, Cantabella, Kazakh Orange toujours à l'arrière en compagnie de Capola de Lépine, et puis donc Kirill Devo qui essaye de réagir et de quitter les derniers rangs. Oui, parce que Guillaume Lenain a certainement senti qu'il n'y avait pas énormément de rythme et qu'il allait falloir peut-être commencer à se rapprocher. Kaliflandia qui anime la course, qui va un petit peu plus vite. Kaliflandia, Kaya Dream deuxième, Cadence du Corta troisième, Kelly de Banville qui a quitté la corde et Kirill Devo qui poursuit son effort en dehors. Les concurrents qui vont bientôt sortir de la plaine et aborder maintenant la partie montante dans quelques instants. Toujours sous l'impulsion du numéro 5, Kaliflandia, devant Kaya Dream en deuxième position. Cadence du Corta troisième, Kelly de Banville en quatrième position en jaune. Toc bleu avec à l'extérieur Kirill Devo qui passe à l'offensive, qui ramène dans son sillage le numéro 6, Capola de Lépine, alors que Kit Kat se retrouve plutôt à l'arrière. Course beaucoup plus sélective dans la montée avec Kaliflandia qui, sur le pied de 1-9 maintenant, anime toujours la course. Kaya Dream qui va bien pour l'instant en deuxième. Kelly de Banville également toujours bien en course avec en dehors Kirill Devo et Capola de Lépine qui tentent de la suivre. Faute de cadence du Corta côté corde, alors qu'on continue d'accélérer en progression, on est allé plus vite et de plus en plus vite. D'ailleurs, on continue d'aller assez fort dans cette partie montante avec Kaliflandia qui a l'avantage toujours sur Kaya Dream qui va correctement dans son sillage. Kelly de Banville qui est troisième, encore plus en dehors Kirill Devo, alors que Kit Kat commence à être sollicité. Puis Capola de Lépine qui vient toujours à l'arrière du petit peloton. Avec Kirill Devo qui est piégé depuis la plaine en épaisseur et qui a un petit peu de mal à suivre l'accélération des premiers. Kaliflandia, Kaya Dream, Kelly de Banville, Kit Kat qui attend l'ouverture avec un petit peu de ressources et Kirill Devo qui tente de rester au contact mais qui se retrouve en retrait de Kaliflandia qui place une nouvelle accélération. Kelly de Banville est au galop, c'est terminé pour la favorite de cette course avec Kaliflandia qui va peut-être le faire de bout en bout pour son recours à la compétition aujourd'hui. Attention à Kaya Dream qui est pieds nus pour la première fois aujourd'hui, qui s'annonce très menaçante. Attention également à Kit Kat qui essaye de refaire un peu de terrain. Kaliflandia aux prises pour la victoire avec Kaya Dream qui se montre très très menaçante. Kaliflandia, Kaya Dream, à Kaya Dream peut-être de mieux en mieux face à Kaliflandia qui ne lâche rien côté corps, mais Kaya Dream a pris sa mesure à moins de 100 mètres de l'arrivée. Kaya Dream va renouer avec la victoire aujourd'hui. Elle était pieds nus pour la première fois. La deuxième place pour Kaliflandia, troisième place pour Kit Kat, quatrième place pour Capola de Lépine. Kaya Dream qui refait